Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose extraordinaire. Je vais vous parler de la... Je vais vous parler tout simplement de l'amour de Dieu. Et oui, cet amour que nous avons pour chacun de nous, et qui demeure et qui sommeille encore à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. Je tenais à vous faire comprendre quelque chose. C'est que regardez, aujourd'hui, j'ai mis l'habit traditionnel algérien. Beaucoup en ce moment, vous voyez dans les rues, ils portent la même chose que moi. Mais ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est que peu importe l'habit, peu importe la couleur de peau, peu importe où vous venez, peu importe qui vous êtes, sachez que l'amour de Jésus est à l'intérieur de vous. L'amour de Dieu est bien vivant à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être exprimé. Aujourd'hui, regardez. Je vais l'enlever. Est-ce que pour autant, Dieu ne m'aime plus parce que j'ai changé simplement d'avis ou parce que justement j'ai changé de... Non, l'amour de Dieu demeure en chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je suis là pour vous le faire montrer à travers justement des actes comme celui-ci, forts, qui pourront vous aussi vous amener à la vie éternelle. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a qu'une seule personne qui vous a promis une vie fidèle et éternelle. Un amour tellement puissant que nul autre ne pourra vous l'apporter dans votre vie. Et ce soir, je suis là devant vous pour vous l'annoncer, oui. Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il attend les bras du ciel et il vous aime du cœur. Il attend que vous manifestiez à lui. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, pour tous ceux et celles qui sont à même d'avoir le cœur touché par le geste, d'avoir le cœur touché par cet acte et par l'amour de Dieu, je vous invite simplement à lever la main avec moi. Soyez abondamment tous bénis. Amen.